Salut tout le monde, aujourd'hui Vlogmas numéro 3. On est le 3 décembre nous aujourd'hui. Et je me suis venue tard. Je vais vous dire quelle heure il est. Hop, il est 14h36. Je me suis levée à midi. Je me suis couchée tard finalement hier. Je me suis couchée vers 3h. 3h30, je crois. Comme d'habitude hier, je me suis pas démaquillée, donc je sais pas si ça coule parce que je mets pas beaucoup de mascara non plus. Et là, franchement, moi j'ai faim, je me prends vraiment juste le petit-déj, quoi. Thé, je vais me faire des muffins. Aujourd'hui, on est dimanche, je prends des muffins toute seule, le Monoprix, en fait. Le dimanche, c'est vrai qu'on aime toujours faire quelque chose, mais là, on ne va rien faire. En fait, j'ai passé mon temps, là, depuis que je me suis levée sur le net, à chercher un livre pour un cadeau, et j'en sais rien. Je sais toujours pas. Je crois que je vais rien faire aujourd'hui. Je vais rester à la maison, je vais ranger ma maison et c'est tout. Bon là, je vous reprends quelques heures plus tard. Hein. Mais je suis vachement étonnée parce qu'en fait, je voulais ouvrir les calendriers de l'avant, donc le 3. Et je suis vachement étonnée parce que Franck me dit pas et ouvre ses calendriers de l'avant. C'est un miracle. Je pensais pas qu'il allait les ouvrir en fait. Donc bon, c'est bien. Et donc moi je vais ouvrir le 3 ici. Ils sont durs à ouvrir ceux-là. Je suis fatiguée les gens. Ah j'ai un Killer Country. Franchement je n'ai pas envie donc je vais garder sûrement pour ce soir. Ou pour demain. Donc je sais pas si je vous l'ai dit mais ça y est, j'ai une toilette fini, sauf la casserole là parce que c'est à Franck et je sais pas ce qu'il veut faire avec là. Et par contre voilà, j'ai tout rangé. J'ai un mon chéri, donc ça va être de côté pour les invités, le café, tout ça. Il est 16h47, déjà. J'ai même pas lu la télé aujourd'hui, je vais voir ce qu'il y a. Je suis en train de ranger encore la maison. J'ai passé l'aspirateur, je pense que je vais passer la serpillière. Il faut que je me lave les cheveux, je voulais me laisser les cheveux, mais je sais pas si j'aurai le courage aujourd'hui finalement. Je suis fatiguée, j'ai rien fait, mais je suis fatiguée. Et voilà, je pense que je vais continuer à ranger. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à ranger, mais j'ai jamais le temps de tout faire à chaque fois, vraiment ce que je veux. Parce que c'est des choses qui prennent du temps, qu'il faut trier tout ça, donc ça met du temps. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais voir ce qu'il y a à la télé. Hein, et en fonction de ça, je vais voir. Parce que ça se peut qu'il y ait un truc super bien à la télé et que je reste bloquée devant et que je ne foute plus rien. Bon, il est 19h. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les sécher et en même temps, je vais les brosser. Et je vais me lisser les cheveux avec le lisseur que j'ai reçu de la part de Revlon. Revlon ou Revlon? Moi, j'ai toujours dit Revlon. Voilà, et du coup, je vais le tester ce soir. Donc bien sûr, quand je vais les sécher, je vais les brosser. Du coup, ça va casser les boucles, ça va faire des cheveux vraiment... pas joli, mais à la base mes cheveux, voilà, ils sont ondulés comme ça. Et vous allez voir après la grosse touffe que je vais avoir. Alors on se retrouve 10 minutes après. J'ai séché mes cheveux, j'ai coiffé mes cheveux. Voilà, quand je les coiffe, et voilà, ils deviennent comme ça. Là, toutes mes ondulations elles sont cassées. Ça fait une espèce de touffe bizarre. J'ai les cheveux très longs, je sais pas si vous allez voir. Mais en tout cas, il m'arrive à peu près en bas du nombril. J'ai fait chauffer le fer, ça a vraiment mis pas très longtemps à chauffer entièrement en fait. J'ai mis là à 210, ça a clignoté le temps que ça chauffe il me semble, et une fois que ça fait bip et que le bouton là ne clignote plus là, et bah c'est que c'est bien chauffé. Donc je mets pas de spray pour la chaleur, pour les protéger ou quoi, je n'ai jamais utilisé, j'en ai jamais eu. C'est juste que à la fin je vais mettre une petite huile, c'est de l'huile, c'est la Orofluedo, je vous la montrerai tout à l'heure, que Franck utilise pour sa barbe, voilà, j'utilise aussi pour mes cheveux très rarement, parce que j'y pense vraiment jamais. C'est parti, j'espère que vous voyez bien, bon, vous voyez pas tout, mais de toute façon mes cheveux sont tellement longs. Sinon, pour vous parler un petit peu, j'avais très envie de prendre un rendez-vous chez le coiffeur, enfin chez mon coiffeur en tout cas. Pas n'importe lesquels. Le truc c'est que je sais pas là. Je sais pas.
J'ai très envie de couper les pointes, ça c'est sûr. J'ai pas envie de forcément toucher ma longueur. Enfin, voilà, juste les pointes. J'aimerais dégrader, mais du coup, je sais pas si je les garde longs comme ça jusqu'à Noël. Et je les dégrade après, genre en 2018. Parce que là, j'ai peur, parce que moi je lui demande de bien dégrader. Hein. J'ai peur que après quand il dégrade et que je me fais la queue de cheval, avec les chevelis, ça fait plein de petits. Vous savez, des étages de. Je sais pas comment dire. Que dans ma queue de cheval, il y a plein de. Vu qu'elle est dégradée, il y a plein de petites mèches des queues de rat qui. Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça rendrait. Du coup, je me tâte, mais j'ai très envie de me couper les pointes. Je crois qu'elles sont vraiment sèches là. Du coup. Là, je vais voir ce que ça va rendre avec le lisseur. Au pire, je demanderai à ma frère ou à ma soeur de me. Comment ? De me couper les pointes. Je vais mettre 230. Allez, soyons fous. Et aussi parce que bah, mon coiffeur, il est cher, quoi. C'est 100 euros la coupe. Hein. 100 euros. Je fais même pas de brushing. Après, le brushing, il est inclus, mais je fais juste sécher naturellement au diffuseur. Je fais que ça. Et si vous voulez savoir où est-ce que je vais, moi je vais chez Tony & Guy. Alors vous savez quoi, j'ai envie de tenter la boucle. Tac. Tac. Je crois que j'ai jamais vraiment réussi avec cette méthode. En même temps, j'ai les cheveux tellement longs. Vous voyez pas bien parce que mes cheveux sont noirs aussi. Enfin noirs. Il y a quelque chose, mais je sais pas trop. Ouais. Ouais. Alors, soit je sais pas le faire, soit mes cheveux sont beaucoup trop longs pour faire ça. Je pense que je préfère laisser vraiment sur un boucleur, là, avec le bout rond, qu'essayer de le faire avec ce lisseur. Je me prendrais beaucoup moins la tête. Et en même temps, tant qu'on est dans les cheveux, j'ai envie de faire une petite couleur. Alors, pas une couleur permanente, bien sûr. J'en ai jamais fait. Enfin, quand j'étais jeune, je crois que j'avais fait. Je crois que j'avais fait des couleurs permanentes. Bref. Pas très souvent, en tout cas. Et jamais quelque chose de très. Si, j'ai fait des mèches rouges quand j'étais plus jeune. Je kiffe ça, d'ailleurs. Mais. Je voudrais me faire, vous savez, les couleurs qui partent avec les shampoings, entre en shampoing et tout ça. Et je sais pas trop quoi faire. Alors ça, soit je fais du violine ou du rouge, genre avec des reflets rouges et tout. Je sais pas encore. Il me reste un produit colorista, je crois, là, en rouge. Il faudrait que je le fasse, mais il me faudrait plus 2-3 tubes. Hein. Je finis ça et je vous retrouve tout de suite après. Moi, je vais en attendant écouter quelques vidéos pour me faire passer le temps. Ou écouter de la musique, voilà. J'aime bien avoir un bruit de fond quand je fais quelque chose. Enfin tout bien. Voilà, j'ai pas non plus insisté. Je sais que les pointes elles sont tellement sèches qu'elles ont du mal un petit peu. Mais de toute façon, j'ai jamais, pour que ce soit pour tous les lisseurs, j'ai jamais aimé le résultat en n'utilisant qu'un lisseur au niveau des pointes. Et vous savez quand vous avez des dégradés, donc vous voyez, j'ai jamais trouvé que le résultat était beau. J'ai toujours fait le lisseur et après le sèche-cheveux. Le truc là c'est que là j'ai un sèche-cheveux qui est pas super, enfin parce que moi bah, j'en ai un professionnel en fait, parce que j'ai fait des études de coiffure et pendant mon déménagement je l'ai laissé chez ma mère et là c'est ma soeur qui l'a je crois, qui l'utilise pour ses brushing et du coup ça aussi là, tout ce qu'il y a au niveau
des racines ici pour bien lisser, décoller et tout. Je trouve que c'est vachement plus, c'est plus efficace avec le sèche-cheveux. Et une brosse ronde. Le truc c'est que bon, j'ai un sèche-cheveux pourri mais que je peux utiliser. Mais le truc c'est que je retrouve plus, enfin j'ai plus de brosse ronde. Voilà, elle se décroche à chaque fois et ça me reste dans les cheveux, c'est pénible. Et comme je ne me lisse pas tout le temps les cheveux, je ne pense jamais en racheter une. Voilà, donc là je vais essayer de retrouver ma brosse quand même. Ou du coup d'essayer avec une brosse plate et avec le sèche-cheveux. Voilà, pour faire quelque chose. Pour qu'en fait les petites mèches là, ça soit bien fondu dans les cheveux. Puis ça me fait des petites queues là, comme ça, j'aime pas trop. Et ça se voit que quand même mes poils sont sèches quoi. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Ça se voit quand même, c'est sec. Hein. Tout ça là. Hmm. Ouais, ça fait des. Mais j'ai l'impression que les cheveux lisses, ça me va pas trop. Ça me fait. J'ai l'impression d'être dans la famille Adams. Mais vu qu'au travail, vu que bah, je suis dans l'esthétique, je ne peux pas avoir les cheveux lâchés. En tout cas, je peux les lâcher quand j'ai pas de soin, mais le but est que. Ils seront tout le temps en queue de cheval et ça j'adore. Voilà, ça j'aime bien, queue de cheval avec les cheveux lisses, queue de cheval très haute même. Avec les cheveux lisses j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, sinon alors au niveau du lisseur, je vais l'éteindre aussi. Je ne l'ai pas trouvé plus efficace ou moins efficace que d'autres lisseurs, c'est un bon lisseur. Après je n'en ai pas testé des milliers dans ma vie. Hein. Pour les boucles, il me semble qu'ils disent qu'on peut les boucler parce que vous avez les bords ronds. Alors, soit j'ai pas la technique, sûrement, soit je sais pas. Mais s'ils disent qu'on peut les faire, on peut. Après, peut-être sur des cheveux longs, c'est plus compliqué. Que sur des cheveux courts, c'est peut-être plus... parce que moi, ils sont vraiment... Je sais pas combien ils font mes cheveux, là. Mais je pense sincèrement que... faire des boucles avec ce lisseur sur des cheveux longs comme ça, c'est... Voilà. Et quand moi je parle de boucle, c'est pas genre je vais faire une boucle juste à partir du... Voilà, du milieu de mes cheveux. Hein. C'est de en haut jusqu'en bas. Et là, non, je crois que je pense pas... Je pense pas que ça soit possible. Non, là, ils sont très longs. Ils sont très très longs. De toute façon, il faudrait que je les lisse demain. Parce que, bah oui, quand je me réveille, mes cheveux ne sont plus lisses. Ils ondulent de tous les côtés. Donc je passe toujours un coup de fer de toute façon. Du coup là de toute façon je vais les attacher parce que ça va aller partout dans ma face et ça va me gêner. Voilà. Je vous retrouve, il est 22h15. J'étais en train de choisir le livre que j'allais lire prochainement parce que j'ai fini mon livre là. Et j'hésitais entre Snow Crystal et Pas si simple de Lucie Castel. Donc j'ai décidé... de me pencher sur celui-ci qui va être plus rapide à lire et du coup après je pense vraiment me pencher sur Snow Crystal parce que là j'ai vraiment hésité. Voilà, donc je vais lire celui-ci qui m'a l'air super cool et là je vais du coup clôturer ce vlog parce qu'il faut vraiment que je commence à le monter. Ce que j'ai fait depuis, j'ai fait tourner une machine que j'ai étendue. Et puis j'ai lu un petit peu. Franck allait chercher à manger, donc on va manger, on va regarder un épisode de la série Les 100 et ensuite je m'active au montage de vlog parce que demain je me lève tôt et je rentre tard, donc le lundi c'est vraiment ma plus grosse journée. Voilà, et ensuite mardi je suis en congé donc je vais pas travailler. Donc j'aurai du coup mardi et mercredi d'affilée. J'espère que je vais pas faire une dépression parce que déjà aujourd'hui j'étais pas loin de la déprime parce que je savais pas quoi faire, je tournais en rond et... En fait, si je fais rien, si je me dis je fais rien, et ben je déprime. Voilà. Donc il faut toujours que je fasse quelque chose. C'est pour ça que j'ai commencé après à ranger la maison et tout ça. Enfin bref, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis bah, à demain. Bye bye!